Le premier tour des 16e de finale contre La Rochelle avait pas mal de difficultés. Au départ, ils ne s'y attendaient pas trop, mais puis après, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mais on fait de superbes matchs contre Narbonne en quart de finale, après on fait de belles demi-finales contre Brive et en même temps contre Lourdes au Stadio. 68 donc, premier de sa poule de 8, le RCT écarte logiquement La Rochelle en 16e de finale, 12 à 6. En huitième, voilà Bayonne sur la route des Toulonnais. Et là, 17 ans après, le RCT atteint les quarts de finale du championnat à l'issue d'un match maîtrisé, 20 à 13. Ces rouges et noirs ont de l'appétit. Après toutes ces années de disette, Grenoble est surclassé 18 à 3. Puis vient le tour du grand Narbonne des frères Spanghero dans une demi-finale tendue. À Lyon, au stade de Gerland, devant 20 000 spectateurs, les tambourinaires de Toulon sont venus encourager leurs rugbymen qui affrontent ceux de Narbonne en demi-finale du championnat de France de rugby. Les Narbonnais, culotte noire, dominent. À la troisième minute, l'arrière Benacloy passe un drop. Narbonne 3, Toulon 0. Durant 20 minutes, avec l'aide du vent, les frères Spanghero, Kilis et Viard dominent les Toulonnais. Cependant, ces derniers réagissent et alertent leurs lignes arrière. Coup de pied à suivre. Sur la touche, regardez bien, Irastorza passe à Carrère qui recentre à Hache qui marque un essai. Un très bel essai. L'essai est transformé par Labouré, Toulon 5, Narbonne 3. Le duel d'avant se poursuit. Attaque de Toulon. Coup de pied à suivre. Un joueur de Narbonne se couche sur la balle et la conserve. Pénalité. But de Labouré, Toulon 8, Narbonne 3. Toujours farouche duel d'avant, encore un hors-jeu, Benacloy réplique par un but, Toulon 8, Narbonne 6, c'est la mi-temps. Mêlée, hors-jeu d'un Narbonnais, un but de Labouré, 11-6 pour Toulon. Les trois quarts de Narbonne attaquent, le match est plaisant, Carmin déborde, et l'essai est accordé à Caman. 11-9. Un drop de Labouré assure le succès de Toulon 14-9. Comme il y a 20 ans, Toulon affrontera Lourdes en finale le 26 mai à Toulouse. Au stade municipal de Gerland à Lyon, l'équipe du rugby club de Toulon s'est qualifiée pour la finale du championnat de France en battant l'équipe de Narbonne par 14 à 9. Nous avons réussi à réunir les principaux protagonistes de ce match. Il s'agit de Walter Spanghero, capitaine de l'équipe de Narbonne, de Christian Carrère, qui est capitaine de l'équipe de France et joueur de Toulon, de Raymond Barthès, qui est l'entraîneur de Narbonne, et enfin d'André Herrero, qui est le capitaine et l'entraîneur de l'équipe de Toulon. Dites-moi, Walter Spanghero, est-ce que vous êtes un peu déçu, évidemment, d'avoir été battu? Et quelles sont les raisons de la défaite? Eh bien, vous savez, quand on joue, quand on a la chance de jouer une demi-finale, je crois que quand on la perd, on est déçu. On est très déçu parce que cette année, je crois que nous avions le matériel pour aller loin. Seulement, nous avons rencontré sur notre route le Racing Club Toulonnais, qui a eu, disons, beaucoup de chance ce match. Mon ami André ne m'en voudra pas, et qui joue à la finale.
Raymond Barthès, comment expliquez-vous la défaite de votre équipe? Oui, d'abord, avant d'expliquer la défaite de mon équipe, je tenais à rendre hommage à l'équipe de Toulon, qui a été une très bonne équipe aujourd'hui sur le terrain, qui a été surtout très correcte. Elle souffre parfois d'une réputation qu'aujourd'hui elle n'a pas méritée, et je crois qu'il est bon de le dire au moins à tous nos amis rugbymen de France. Mais maintenant, est-ce que l'arbitrage, je pose une question très difficile, est-ce que l'arbitrage du docteur Cuny ne vous a pas un petit peu déçu? Je ne mets pas du tout d'abord en doute l'honnêteté du docteur Cuny. Non, bah personne. Mais les joueurs font parfois de mauvais matchs, je crois qu'aujourd'hui l'arbitre a fait lui un mauvais match, ça arrive à tout le monde, c'est très regrettable pour nous, et je pense que peut-être si l'arbitre avait été au même niveau que les deux équipes, nous aurions pu gagner ce match. Bon, maintenant André Herrero, capitaine et entraîneur de Toulon, comment expliquez-vous qu'en première mi-temps, vos trois quarts ont tenté leur chance résolument, alors qu'en deuxième mi-temps, on a eu l'impression que vos trois quarts hésitaient, eux, à tenter cette chance? Oui, c'est juste. Notre quart ont eu un comportement assez bizarre le long de ce match, car en première mi-temps, ils ont été, je crois, assez bons, et en seconde mi-temps, assez faibles. Ce qui n'est pas tout à fait normal, car sur un match, on devrait être avant un comportement, disons, plus régulier. Je crois que ça vient quand même de l'accélération de Narbonne en seconde mi-temps, qui nous a posé des problèmes. Ils ont eu des ballons très bons, notamment en attaque. Ils sont arrivés en surnombre plusieurs fois, et nos trois quarts se sont un peu affolés. Peut-être que le soutien de la troisième ligne, qui a été fixé au paquet par une poussée remarquable du pack de Narbonne, a contribué à cet état de fait. Alors, André, dans 15 jours, vous rencontrez Lourdes en finale, c'est-à-dire finale 1948, Lourdes-Toulon, finale 1968, Lourdes-Toulon. Alors, comment vous allez la préparer? Comment on va la préparer? Disons, je vais essayer surtout de lever l'équipe de Toulon de la passion qui va se déchaîner sur notre ville, car je crois que c'est le danger le plus grand. Disons, au moins autant que Lourdes. Christian Carrère, vous qui êtes le capitaine de l'équipe de France, une autre question peut-être un petit peu gênante pour vous, mais qui intéresse les auditeurs de la télévision française qui nous posent la question. Comment vous, capitaine de l'équipe de France, vous pouvez quelquefois vous entendre avec André Herrero, capitaine de l'équipe de Toulon? Aucun problème? Ça ne me pose absolument aucun problème. En équipe de France, j'ai mon rôle à tenir. À Toulon, je suis l'équipier. Je crois que je tiens mon rôle sans poser de problème. Bon, dites-moi, que pensez-vous alors de ce combat aujourd'hui des deux meilleures lignes d'avant françaises? Moi, je pense que c'est un combat assez équilibré. Je pense que Narbonne a beaucoup plus construit que nous au niveau de la troisième ligne. Nous avons fait défendre que défendre. Nous l'avons bien fait, je pense. C'est ce qui explique le résultat, je crois. Et alors, contre Lourdes, confiance? C'est-à-dire, si nous imposons au niveau des avants, je pense que nous pouvons, avec la botte de la bourrée, nous pouvons gagner ce match. Et alors, Walter Spanghero, je vous repose une nouvelle question. Est-ce que vous croyez que Toulon peut battre Lourdes? Vous savez, c'est très difficile à dire. Je crois que Toulon, s'ils partent sur la ligne de la première mi-temps, et s'ils le tiennent pendant 80 minutes, je crois qu'ils sont capables de battre Toulon. Parce que je me souviens, à cette époque-là, il y avait la moitié des internationaux de Lourdes qui étaient blessés, et on devait jouer en mai. Avec ces événements de mai 68, nous avons joué, je crois, le 16 juin. Ce qui fait qu'un mois et demi après, tous les joueurs étaient rétablis. Et malgré cela, on n'a pas perdu. On a fait 9 à 9. En 68, on a. Je ne sais pas si à Lourdes ils avaient eu la même sensation, mais nous ici, nous avions une telle préparation, on était tellement conditionnés pour la faire à la date prévue, que quand il y a eu cette cassure, ce report de match, là, on a senti une période, là, cette période un peu de relaxation qui a cassé un peu. 20 ans après, Toulon retrouve Lourdes en finale, la troisième de son histoire, une fête au goût bien particulier. Le plus bonheur de tout, c'est quand tu vas faire la finale, que tu pars et que tu prends le quart et que tu vas au stade. Tu sais, quand tu rentres dans la machine. Alors, tout le monde avait ses petites habitudes aussi. Là, je me mets là, on avait l'habitude de se mettre un avec lui, l'autre avec là. Et ce silence que tu as pendant. Il y avait peut-être quelques mois, on en fera, hein, parce que bon. Et t'as ceci là, t'es déjà dans le match là. Tu sais ce que tu vas faire.
Nous avions une équipe en face qui jouait bien, qui avait un rugby un peu plus total, plus complet que le nôtre. Ils avaient un talent derrière que nous, nous n'avions pas. On avait autant devant, on avait le pack, il y avait des répondants, mais derrière un peu moins. On était moins talentueux. Malgré ça, on avait une domination, on dominait, mais on ne marque pas. Eux. D'abord, Lourdes, en finale, c'était une équipe qui gagnait tous ses matchs en mêlée. Et ce jour-là, la finale, c'est nous qu'on les a malmenés en mêlée. On a même, d'après l'arbitre, il n'y était pas, mais on avait même marqué un essai sur Milan Foncé, bon, que Carrère avait entre les mains. Et quand on voit les photos maintenant, on voit bien Christian aplatir le ballon après la ligne. Mais enfin, on ne va pas refaire le match. On a fait Majule. Et l'arbitre qui était venu voir, il a dit, je m'excuse, j'ai sifflé trop tôt. Mais c'était trop tard. C'est-à-dire que ça traîne un peu le mol. Et au moment où Christian arrache le ballon et plonge dans l'arbitre, au même moment, l'arbitre il siffle pour jouer le mêlée parce que le ballon ne sortait pas. Mais bon, c'est refusé, et on a fini frustré, quoi. Un match, on était évidemment vachement déçus, quoi. Le match, la défaite devient très sévère, parce que, en sachant malgré tout que Lourdes avait, à ce moment-là, c'était quand même des leaders du rugby national, hein, c'était quand même. Mais enfin, le match, il tient toute sa promesse, on marque un essai, enfin, et on devient co-champion de France. J'ai des photos, des images de l'arrivée à la gare à la gare de Toulon, où on est accueilli en triomphe, c'est triomphal, quoi, du boulevard de Strasbourg et jusqu'à sur l'avenue de la République. Ça, on n'a pas touché par terre. Là, tu t'aperçois de l'engouement, alors que ça faisait des années que c'était, comme je dis, je reviens toujours pareil. On perd, parce qu'on a perdu, hein, bon, finalement. C'était arrivé en bas, quoi. On est tombé là. Plus de ferveur que 68, c'était pas possible. Parce que 68, Toulon, pendant 20 ans, n'avait pas passé les quarts de finale. Et là, on se retrouvait en finale, pas battu. C'était une marée humaine de la gare, boulevard de Strasbourg, cours Lafayette, la mairie. Dans la gare, pour aller à la mairie, hein, à l'époque. On a mis, je ne sais pas combien de temps, les gars sur les bagnoles, ça klaxonnait, ça sautait, tout le monde venait tout le temps. C'est la folie, quoi. Moi, j'ai pas touché terre. Hein. Je suis descendu du train, j'étais à l'avenue de la République, j'ai pas touché terre. Je ne me rappelle plus de rien. J'étais sur le dos d'un, sur le dos de l'autre, c'était la folie. C'était la folie, quoi. La folie. Et ben, pour nous, c'est comme si on avait été champion de France. Hein. Parce qu'on avait fait la finale en 48, et là c'était en 68, 20 ans après, juste 20 ans après. Voilà. Et en 48, c'était Bordereau qui a fait la finale, qui m'a tout appris au rugby. Alors tu vois un peu, voilà, le passage d'une flambeau entre mon prof et moi l'élève. En 70, on gagne le Du Manoir. On gagne le Du Manoir, c'était à Paris. Et on prend le Grand G. Hein. À l'époque, le Grand G, Zani, Biémoré, Garcia, Malbé, Lasserre, enfin, l'équipe d'Agen qui se baladait. Hein. Là, pareil, hein, on joue à 14. Hein. C'est comme ça que sur une mêlée, on les fait repousser et Pain me mord l'oreille. Il s'était fait mordre l'oreille, il y a même des cannibales dans le rugby.
je lui donne un coup de pied dans la figure, l'arbitre m'expulse, et André passe pilier. Et là, il est énorme. Mais j'étais déterminé, et j'étais, et j'avais, comme j'avais un peu de haine, tu vois, pour ce match, pour cette expulsion. Le mec qui jouait en face se paye, il me dit, mais André, tu te fais mal, tu peux te faire mal. Et tu sais, si tu me fais mal, tu n'as pas d'intérêt, alors tu n'as pas d'intérêt. Le mec, il m'explique qu'il faut que je me mette, parce que... Et on avait gagné. Après les poteaux. Très belle réplique de Toulon. Après le drop d'Agen. Il ne trouve pas encore la touche, Razor. Et la balle a été reprise par Irastorza, le demi-mêlée de Toulon qui a donné un suivi pour lui-même. Razak est battu là-bas et Toulon va laisser. C'est Irastorza, je crois. Irastorza, oui, qui avait repris après ce coup de pied donné pour lui-même. Le bouillant Irastorza qui vient de marquer un très bel essai, qui relance le match. 4 minutes en deuxième mi-temps. 3 minutes. Que les supporters de Toulon font donner de la voix. Non, ils ont réussi. Ah, interception de Daniel Herrero qui va filer. Allez, c'est. Agen est pris en contre alors que les Agenais dominaient depuis pas mal de temps. C'est Daniel Herrero qui vient de marquer sur un contre cet essai. Qui, après avoir battu le 15 Agenais, ont eu une bataille beaucoup plus difficile à livrer, celle qui les opposait à leurs supporters. I look inside myself and see my heart is glad. I see my red door as a padded into the land. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. C'était le du manoir. Bon, les maintenant, ils n'ont pas plus besoin. Mais à l'époque, c'était un truc intéressant de faire la de gagner du manoir. Voilà, exactement. Bon, c'était bon, un plaisir. Hein. Voilà, donc. C'était une récompense. Une récompense, mais. C'était pas la finale, c'était pas le championnat. C'est quelque chose qu'on partage, mais c'est moins goûteux. Il revient le dire, mais à un moment donné, tu sais, tu es tellement pris par le match. Je pense que je peux pas me tromper. Jabicon, il se rappelait même pas du score. Il savait pas à un moment donné, il savait plus à un moment donné. Tu sais, quand tu arrives après, comment ça qu'il revenait dans la partie. Et moi, je me rappelle les scores. Hein. Ça va, donc, bon. On avait fait un bon match. Hein. Maintenant à l'antenne, André Herrero, il nous a dit, c'est mon dernier match aujourd'hui. C'est cette finale que je veux absolument, c'est ce titre des champions de France. Regardez-le, il y pense de toutes ses forces, de toute son âme. André Herrero, c'est une grande figure du rugby français. Et s'il doit faire ses adieux aujourd'hui, eh bien il va les faire en beauté, de toute façon, et quoi qu'il arrive tout à l'heure.
En face de Toulon, je lui ai dit, André, ils sont chauds bouillants là-bas, hein, autant que les nôtres. Mais enfin, ils ont eu des paroles un peu maladroites. Hein. Alors, je sais pas, mais il faudra faire attention. Il me dit, André, fais gaffe, ils ont monté. Tu vas te faire démolir, et ils ont monté. Et moi, je dis, bah, tu rigoles, quoi. C'est pas la guerre, quand même, pas rigoler. Je veux dire, puis, de toute façon, je dis que s'ils ont monté un truc, ça se défendra, très bien. Monsieur, alors écoutez, parlons un peu de vos adversaires. C'est ouais. Toulonnais. Comment les voyez-vous? Parce que vous devez y penser sans cesse. Ah, mais bien sûr, on les voit très fort, on les voit très gros. On ne les connaît pas beaucoup parce qu'on les a peut-être joués deux fois en cas de là, mais enfin, ça ne compte pas, quoi. Ça compte plus. Ce n'est pas le même esprit. Ce que nous connaissons, c'est simplement ce qu'on nous a rapporté des matchs qu'ils ont joués jusqu'à maintenant. Enfin, ils se sont débarrassés de très grosses équipes comme Narbonne, le Stade et Brive, et même Dax. Alors je pense quand même que ça doit être un gros morceau à avaler. Il est capable à lui tout seul de nous gagner une partie. Enfin, je rappelle souvent l'exploit qui nous a permis d'être champion de France junior, on le lui doit. Quant à Cahors, à lui tout seul, il a battu l'équipe de Cahors alors que nous étions menés 15-0. 5 coups de pied de pénalité, et nous avons remonté au score 17-15 grâce à Jacques qui a marqué 3 essais. Enfin, il en a fait. Alors, comme je pense à Cahors, il faudra y aller comme à Cahors. Je crois que ça sera même encore mieux qu'à Cahors. Voilà. Je crois que. Mieux, c'est difficile. Parce que vous savez, c'était encore un match assez dur quand même à Cahors, puisque c'est à Cahors qu'il joue la qualification. Ouais. Là, je crois qu'on joue quand même un titre que très peu de joueurs ont, et je crois que rien que pour l'avoir, pour montrer qu'on est les champions de France, on fera le maximum. Et bien, écoutez. Française de rugby. Les deux équipes qui viennent de pénétrer. Voici avec Toulon en maillot rouge et culotte blanche et un collier noir, et plus exactement une barbe, car les Toulonnais ont fait le vœu de ne pas raser cette barbe avant ce soir et surtout si les barbus remportent ce titre de champion de France. L'arbitre, monsieur Michel Libernet de la Côte Basque. Je sais bien que sa désignation était un petit peu contestée de ci-de-là, mais M. Libernet est un arbitre de métier, d'expérience. Le coup d'envoi à l'instant qui est donné par Toulon. Une minute d'avance pour le coup d'envoi de cette grande finale aujourd'hui. C'est Toulon qui l'a donné. Alors que quelques gouttes de pluie tombent maintenant sur le stade municipal de Bordeaux. Vous savez que le temps est terriblement orageux. Oh, cette poussée, c'est remarquable, elle s'est stabilisée. Je ne sais pas si vous avez senti des deux côtés cette impulsion que l'on a cette télé. Première touche. Monsieur Duvernet. Aussi contracté sans doute que les deux équipes. Estève avec sa barbe en fond de touche. Estève qui avec Christian Carrère rejoindra ce soir ses camarades du 15 de France pour partir d'abord pour Paris, ensuite pour l'Afrique du Sud. La mêlée ouverte de Béziers. Palace pour Lavagne, ce 3 carrel bitérois qui a été un grand marqueur d'essai tout au long de cette saison. Ah, bien, je vous le dis tout de suite, elle aurait perdu cette finale. Estève. Du côté de Toulon, une balle qui a été prise par Sapa à la touche. À la réception à Cantoni. Cantoni qui a échappé à deux ou trois avant de Toulon. Qui s'est de dévoreur de terrain, bien qui aujourd'hui joue comme une vraie bourrique du rugby. Oh, sur son nez dans Sapa. Estève qui a voulu partir. Fort bien plaqué.
La balle qui sort, Christian Carrère là-bas. Et malgré le plaquage de CC, a pu lâcher sa balle. Encore CC, Christian Carrère. Et il y a Béchamp. Le pied gauche, la barre, elle passe quand même. Trois à trois, des touches frais raccourcis. Estève qui a bousculé Rastorza sur la mêlée ouverte. Et surtout des crânes qui couvrent cette balle. Et un coup de poing de Sapa. Un coup de poing de Sapa sur Vaquerin, le pilier de Béziers. Christian Carrère. Et le bouillant délié Giabiconi, le jeune Giabiconi de les Toulonnais. Et un joueur de Toulon, je pense, oui, qui est resté étendu par terre. Ça commence à devenir un petit peu trop sec des deux côtés. Oui. Je pense que c'était Riro d'ailleurs qui est resté encore KO. Voilà le départ de Vaquerin. Il y a des coups de pied qui partent dans l'air. Christian Carrère qui repart balle en main. Oui, on l'amène sur le brancard, je voudrais. Non, on l'amène juste en bord de touche, je voudrais qu'on passe un micro interview si on peut pour que je puisse m'approcher. C'est Lubrano, le talonneur de Béziers qui avait déjà été aligné. Le match se poursuit pendant ce temps avec le bon plan d'énergie. Ça y est, le est arrivé, évidemment. Il y avait de l'orage dans l'air depuis quelques instants. Toulon résiste bien à la poussée de Béziers en mêlée fermée. Et les Toulonnais ont failli la reprendre, c'était mal, ils l'ont repris en effet. Et il y avait un avant au départ. Et Sapa, le grand Sapa en touche. Ruarin qui est parti. Qui a créé une brèche hors jeu de Béziers en particulier. Très bonne prise de balle les Toulonnais qui font la loi semble-t-il à la touche. Quelques savates écouteraient le passage. Boss qui tente le drop, mais qui le manque complètement. Itérois. Irastorza sur ce coup de pied a trouvé quand même les bras de Cantoni. Cantoni qui veut contre-attaquer, qui passe deux ou trois adversaires. En pêchant, il a réussi. Oh, cette cravate sur Cantoni. Alors que son trois carrés est passé maintenant. Et arrive à laisser. Enfin, l'essai dans ce match de Sigui. Le trois carrés de Béziers. Ouais, après le plus dur, c'est après le match. Alors là, c'était une catastrophe. Putain, le match. On était détruits. Bon, là, je ne sais pas combien d'amis de temps pour se refaire la santé, c'est qu'à le dire. Hein. We'll be right back.
Toulon avec seulement 5 équipiers qui avaient disputé la finale de l'an dernier à Bordeaux, cette fameuse finale Béziers-Toulon. Toulon, sur la fin, a essayé de refaire un peu de son retard, a surtout essayé, sous l'instigation de Christian Carrère, de marquer lui aussi un essai. Ça n'est fallu de peu que les Toulonnais ne réussissent dans cette entreprise. Ils auraient bien mérité, du reste, de marquer cet essai, car ils ont donné au Biterrois vraiment une très très belle réplique. Et je pense que d'ici 2 ans, lorsque cette jeune équipe toulonnaise sera un peu plus aguerrie, un peu plus mûre, eh bien, elle fera trembler les meilleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a quand même secoué Béziers à différentes reprises. You are not an open book, I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn, what am I doing up? Put the witching up. Oh, 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 oh. Pick up a book, put down a book, turn on the TV. Et puis tout se met en place pour la fin des saisons et Toulon fait des phases éliminatoires alors qu'ils ont failli pas se qualifier. Font des phases éliminatoires assez exceptionnelles. Je rappelle qu'il y avait 16 joueurs qui étaient partis, qu'on avait récupéré que Laglaise, qui était Weber, qui n'était pas qualifié. Il a été qualifié qu'au mois de janvier. C'était notre passage, c'était notre, je dis,
C'était écrit. La liste, c'était écrit. Et puis après, d'un coup, l'équipe est partie et on était devenu invincible. Et on rencontre Biarritz qui nous était guère plus supérieur. Vous savez, Blanco qui était son dernier match. Stade de France, c'est une apothéose. Nous, on porte un bouquet, comment tu appelles ça, un bonsaï, un Olivier Bonsaï à Blanco pour son dernier match. Gagne la finale, qui est plutôt une finale sympathique. C'est pas une grande finale, mais c'est une finale sympathique que tu gagnes et qui reste dans les années. Oh yeah. Comment peux-tu comprendre? On est le cœur qui bat.